Je suis venue faire des castings à Paris. Et c'est là où j'ai vu Axel qui faisait les cours Florent. Et en fait, il m'a avoué que pendant le casting, il venait de sortir de l'apéro. Et puis, il avait l'impression que ça s'était trop mal passé. Et moi, ça m'a fait tellement rire en fait que c'est ça qui a marché aussi. J'ai vu plein de monde. Hein. Et j'arrivais pas à trouver la bonne personne pour jouer le rôle principal. Donc pour Marie-Lou. Et puis là, il y a une fille qui m'appelle de Lyon, mais qui est d'accord, enfin qui veut venir jusqu'à Genève pour me rencontrer pour faire les castings. Alors que j'avais déjà fini le processus. Puis elle m'a dit. Vu qu'elle m'a dit ça, je me suis dit, elle est tellement motivée, allons-y. Puis finalement, c'est elle qui joue dans le film. Non, madame, bonjour. Je voulais absolument créer un univers visuel autour de cet hôtel. J'avais envie de tourner de jour, mais ça se passe la nuit. Donc en fait, il y a quatre personnes de mon équipe qui ont passé deux jours à mettre des bâches noires sur toutes les vitres de l'hôtel. Grâce à ça, on a pu faire des tournages de jour. On a su 3 jours avant qu'on avait le droit de filmer au Beau Rivage, parce qu'il y avait John Kerry qui faisait des négociations avec la Russie ou je sais plus. Et puis en fait, il fallait qu'il parte de là-bas, on n'avait pas le droit de rentrer sinon dans l'hôtel, et évidemment de tourner un film, hein, comme vous pouvez vous imaginer. Donc au dernier moment, on a su qu'on pouvait prendre cette salle de bain, et puis c'était le troisième jour de tournage, et puis on était trop contents, puis on n'a pas pu faire de repérage vraiment. Moi j'étais venue avec mon appareil photo. Enfin, avec mon téléphone, je faisais des photos pour le chef opérateur et puis j'essayais d'enregistrer des sons pour l'ingénieur du son. Il était censé être pour toi, mais comme t'as choisi d'épouser un goy. On s'imagine pas qu'il y a toute l'équipe qui doit être dans la scène, ouais. En fait. Donc ce qui fait quand vous regardez la scène dans la salle de bain, par exemple, avec la fille et la mère, en fait, on est 15 derrière. Ça me portera chance. Merci d'avoir participé, d'avoir regardé avec intention tous ces films. Si jamais vous avez des questions, des suggestions, n'importe quoi, vous pouvez m'écrire, j'ai un site internet avec d'autres films dessus, voilà, ou m'écrire directement sur Facebook, Twitter, tout ce que vous voulez. Voilà.